J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est le 28 novembre. Il est actuellement 9h53. Là, on va pas tarder à aller au marché. À un marché de Noël, en fait, un petit marché de Noël. Et comme vous avez pu le voir juste avant, donc je suis toujours actuellement chez mes beaux-parents. Et ça a neigé. Je vous ai mis une petite séquence juste avant. Donc là, on va aller au marché de Noël. Et après, on va voir la grand-mère à mon chéri. Et après, on rentrera. Donc voilà. Donc écoutez, je vous vlog le maximum de choses aujourd'hui et je vous ferai peut-être un petit haul dans ce vlog à la fin de ce que j'avais trouvé à Jiffy. Voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 16h15, il fait froid, moins 1. Avec notre sapin de Noël derrière, on va pouvoir faire, je pense, mercredi. Je pense commencer à le mettre en place ce soir et mercredi le décorer. J'ai 2-3 choses à vous montrer et monsieur qui conduit, mais doucement parce que c'est pas beau la route. Je vous reprends quand on est arrivé, ce sera mieux. Alors, je vous reprends. Là, on vient d'arriver, il va être 5h. Moi, je vais prendre ma douche juste après vous avoir fait ce petit. Alors tout d'abord je vais commencer par commande Amazon. J'étais censée le recevoir mercredi. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Ce dedans il y a le dernier cadeau de mon chéri. Donc voilà, j'en profite aussi. Je regarde tant qu'il n'est pas là. D'ailleurs je vous montre tant qu'il n'est pas là. Et je sais qu'il ne verra pas ce vlog. Donc moi je me suis pris des écouteurs. Je vais essayer de voir quelque chose. C'est les écouteurs comme j'avais quand j'ai acheté le téléphone. Donc voilà, deux petits écouteurs. Et à mon chéri, je lui ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais essayer d'ouvrir? Voilà la boîte. La boîte est trop belle. Et c'est tout simplement un portefeuille parce qu'il râle par rapport au sien. Que c'est de la merde, que ça colle. Et mini kiki. Là, je lui ai pris ce portefeuille-là en cuir, enfin, ou en faux cuir, je sais pas, mais en bonne qualité. En bonne qualité, en tout cas. Donc là, il s'ouvre. Vous voyez, vous mettez. J'essaie d'aller vite parce que je sais qu'il va aller, il va tout faire vite. Donc, j'ai fait tomber le papier. Donc voilà, pour mettre les cartes et tout, pour même mettre une petite photo s'il veut. Hop! Voilà, ouais, c'est bien refermé. Et là, pour mettre sa monnaie, chose qu'il n'a absolument jamais. Donc, voilà, ça, je pense que c'est un bon porte-monnaie. Un bon portefeuille qui lui fera un moment. Donc, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ou n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, qui se trouve en... Mince, si je mets pas le coup à ça pour faire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog qui est en barre d'infos. Après les fêtes, je vous sortirai un article où il y aura tous les résumés des cadeaux que j'ai offerts à ma mère, à ma belle-mère, à mon beau-frère, enfin à mes 3 beaux-frères, etc. Et j'essaierai de vous mettre des liens. Donc voilà, je vais le remettre là-dedans pour voir qu'il ouvre. Parce que entre autres, qui voit mes écouteurs. Voilà. Ensuite, où mon chéri habitait avec ses parents, il y avait un marché de Noël et on a acheté 2 choses. Donc la première, on a pris une petite décoration comme ça pour le sapin. Vous allez voir, il y a encore des décos qui arrivent. Hein. Je suis une grande fan de Noël, donc voilà. Voilà. Alors, je peux pas vous donner le nom de la personne quoi, parce qu'il n'y avait pas de carte.
mais je la trouve super jolie, donc hâte de la mettre après mon sapin. Et d'une autre créatrice, on va dire, parce que pour moi c'est une créatrice, donc je vous montre le nom de sa boutique. Donc c'est l'atelier des lueurs et elle fait des bougies, donc bougies artisanales. Et voilà la merveille qu'on a pris. Elle est juste trop belle. Voilà. Et à je ne sais pas combien de couches, elle nous expliquait. C'est juste un truc de ouf. Comment elle est belle. J'ose même pas la faire brûler, je pense même pas la faire brûler. Je pense qu'elle va rester en déco. Donc voilà, je vous mettrai son Facebook, c'est tout simplement l'atelier des lueurs. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et elle organise, elle nous disait de temps en temps, des petits ateliers, des choses comme ça, pour montrer comment elle crée ses bougies. Et je pense essayer de voir pour y aller. Du coup, je vous ferai un vlog dessus, si on y va. Donc voilà, je vous mettrai sa page Facebook en barre d'infos. Voilà pour ça. Ensuite, tout ce qu'on a acheté à Jiffy. Alors, mon chéri. D'abord, mon chéri a pris un kiff qu'il voulait se faire. Je n'étais pas du tout pour, mais bon. Ah, j'ai choisi les trois quarts du déco du sapin, je lui laisse le plaisir. Il m'a pris un petit train pour mettre tout autour du sapin. Voilà, donc il est là. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, donc je ne sais plus combien, 15 euros, je crois, il a payé comme ça. Parce que là, ce soir, on veut déjà mettre en place le sapin. Je vous montrerai après où. Mais on veut mettre en place le sapin. Éventuellement mettre en place le petit train, mettre les lumières en place et on le décorera à partir du coup de mercredi je pense, donc mercredi ou vendredi, je vais essayer de voir. De toute façon vous l'aurez en vlog, donc voilà, je vous montrerai ce qu'on a, ce qu'on va mettre ce soir, je vous montrerai et je vous filmerai à chaque fois les avancées. Bref, ensuite moi ce que j'ai pris à Jiffy, j'ai pris pour le repas de Noël, j'ai pris deux petites serviettes comme ça, spécial Noël. Voilà, je l'ai trouvé chouki. J'ai pris pour Prunelle. Alors, elle en a un d'Halloween et elle en a un de Noël. Voilà, avec écrit Joyeux Noël juste là. Elle les supporte, honnêtement, elle arrive à les supporter. On ne le laisse pas non plus toute une journée. Mais elle arrive super bien à les supporter. Donc, voilà, il est trop beau avec un petit fond. Il est trop chou. Ensuite, j'ai pris encore pas mal de boules de Noël. J'en ai pris une Disney, donc avec Mickey, comme ça. Voilà. Parce que j'adore Disney. Le truc, c'est qu'elle a plein de paillettes. Si vous entendez du bruit en fond, c'est rien, c'est mon chéri qui prend une douche. Une boule comme ça. Voilà, dans les tons bleus, toujours bleu-blanc. J'ai des plumes qui viennent. J'ai pris ça. Je trouvais trop beau. Faut juste que j'arrive à tout remettre bien droit. Voilà. C'est juste trop beau. Donc ça, je peux le mettre encore. Si je l'accroche, là, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de porte. Là-bas, enfin, je vous montrerai quand ça sera installé de toute façon. Je vous montrerai chaque élément de déco de Noël où c'est installé. Mais c'est juste trop beau, j'ai craqué dessus. Hop, ensuite j'ai pris ceci pour mettre aussi sur, je pense, le sapin. Let it snow, let it snow, let it snow. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, ce sont comme des boules de Noël, mais avec des plumes en plus. Voilà, trop joli. J'adore. J'ai pris un petit nos petites décorations pour le sapin avec un petit nœud comme ça. Voilà, pour changer un petit peu des boules. J'ai pris ça. Donc dans les tons de notre sapin, bleu et blanc. Je vais voir où je le mets. Si je le mets là sur mon meuble qui est juste là. Sur mon meuble en face, je sais pas trop. Sur mon meuble à télé ou sur le meuble à chaussures. Mais il est trop beau. Ensuite, donc j'ai pris une boule comme ça, donc c'est une boule à décorer nous-mêmes. Je vais vous montrer, j'ai d'autres décos que je vais mettre dedans.
voilà, tout simplement. J'ai pris pour aller avec des petits sapins, donc je pense qu'on fera ça ensemble dans un pré-vlogmas. J'ai pris des plumes, j'ai pris de la fausse neige, voilà, j'ai pris une boule, bon elle est un peu abîmée je vous avoue, mais bon, une petite boule comme ça licorne qui est juste trop belle, elle est canon, canonissime, j'ai hâte de faire mon sapin. Un sweat, il reste pas grand chose je vous promets. Il reste à tout casser deux choses. Deux choses et j'ai fini. Donc j'ai pris ces deux petites bougies là avec des pains d'épices. Donc je les remontrerai sur Instagram. Et j'ai pris cette décoration là. Donc ça pareil, ça va être posé, c'est juste trop beau. C'est pareil justement avec de la fausse neige comme j'ai pris et les petits sapins. Voilà, donc voilà pour tout ça. Écoutez, je vais aller tout ranger et je vous remonte tout ça juste après. Du coup, c'est là en fait, on va enlever le ventilo et le cactus et le sapin en fait, on va le mettre ici. Voilà, donc je vous montrerai quand il sera mis, etc. Voilà, je suis en train de tout ranger, tout. Ça y est, le sapin, on l'a bidouillé pour le mettre tout en place. Du coup, là, l'objectif, ça va être de jarter ça, décaler le meuble pour pouvoir mettre le sapin là, et après moi dans la semaine j'enlèverai tout ça et je ferai blabla, mais je vous montrerai. Voilà, allez c'est parti, on va faire ça. Et Groot il est malade hein. Je crois que l'hiver il aime pas hein. Pourtant il a à boire et je comprends pas, c'est peut-être l'hiver qu'il aime pas hein. Alors je vous reprends, il est 18h45, là j'ai pris ma douche pour que j'ai les cheveux il neige toujours autant. Voilà, ma soeur m'avait envoyé une photo et elle m'a dit oh, ça neige pas trop, ça va. Si, ça a bien. Ça a bien neigé. voilà. Du coup, là, j'ai un petit truc à faire à 19h. Je vous en reparlerai dans des futurs vlogs. Futurs vlogs, stories, etc. Je vous reparlerai de tout ça. Et là, du coup, je me suis calée sur les Sims en attendant et je ferai manger après. Et tout à l'heure, je vous ai fait le petit haul, donc juste avant. Et je vous ai montré du coup cette déco. Donc avec là, j'essaie de bien équilibrer la fausse neige pour que ça soit joli. La fausse neige, le bonhomme de neige, les sapins. Et en fait, elle s'allume. Et j'avais pas capté son coup. C'est trop beau. Ça, voilà, vous pouvez l'accrocher comme ça. Moi, je pense que je vais juste le poser. Ça, c'est vraiment trop beau. Et voilà, les petites lumières allumées. Et dans le noir. Voilà ce que ça donne dans le noir. C'est trop joli, j'adore. J'adore. Donc voilà. On va l'éteindre pour pas user la pile. Et je pense, ouais, mercredi, voire jeudi, je commencerai à mettre des petits trucs déco en place. De toute façon, vu qu'on sera encore en pré-vlogmas, et de toute façon après en vlogmas, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, donc il nous reste pas tant de jours que ça avant de commencer les vlogmas. Sachant que, bon, ça je pense que vous le savez, les vlogmas c'est comme les pré-vlogmas en décalé. C'est-à-dire que le 30, ma journée du 30, vous la voyez le premier. Mais c'est pas vraiment un vlogmas. Parce que ma journée du 30, c'était pas au mois de décembre. Donc voilà, donc ma journée du premier que je filme, vous la voyez le 2. Du coup, là, ça sera le premier vlogmas. Vous voyez, vu que c'est en décalé et tout. Bref. Donc, je vais attendre le petit, on va dire, rendez-vous que j'ai à 19h. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est 20h36. Je vais arrêter ce vlog maintenant. Là, je suis en train de préparer toutes mes affaires pour demain. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.